conscience de tout ce qui fait vivre notre église diocésaine. Si nous nous occupons de finances, c'est au service de cette vie de notre église diocésaine. Janvier 2017, il arrive plusieurs choses importantes. D'abord, la mise en place du nouveau conseil diocésain de la vie religieuse et consacrée. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a traditionnellement un conseil de la vie religieuse dans tous les diocèses, ce n'est pas une innovation de chez nous. Et ce conseil, jusque-là, représentait les communautés religieuses. Mais il y a une autre richesse dans un diocèse comme le nôtre, c'est des personnes qui se consacrent sans être dans des communautés religieuses, qui restent dans le monde. Comme par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette catégorie-là, comme par exemple les vierges consacrées. Les vierges consacrées, c'est des femmes qui consacrent leur vie au Seigneur, mais qui vivent dans le monde, elles ne sont pas dans une communauté. Alors le nouveau conseil qu'on a mis en place à cette occasion-là intègre tous les consacrés, pas seulement les religieux. Ça a été une manière, au fond, de montrer que le trésor de l'Église diocésaine est plus large que ce qu'on avait repéré jusque-là, puisqu'elles font partie, ces personnes font partie aussi du trésor de l'Église. En janvier aussi, le directeur du diocésain de l'enseignement catholique et moi-même, nous sommes rendus à Djibouti. Vous savez ou vous ne savez pas que notre Église est en lien avec ce que nous permettons d'appeler des églises sœurs. Et parmi ces églises sœurs, il y a Djibouti. Pour mémoire, je vous rappelle qu'il y a aussi Medellin, il y a aussi Potosi, et il y a aussi notre sœur voisine de Lampe. Hein, c'est pas ça. Je crois que c'est important de bien prendre conscience que notre Église ne s'arrête pas aux frontières de l'aube. Être une Église, c'est être en lien avec d'autres Églises. Et nous sommes en particulier en lien assez étroit avec l'Église de Djibouti. L'Église de Djibouti est une Église dans un pays à 98 ou 99% musulman, donc ça ne fait pas beaucoup de chrétiens, tout ça. Mais cette Église manifeste sa présence missionnaire à travers ses écoles. Les écoles catholiques de l'Aube sont en lien avec les écoles catholiques de Djibouti. Le 3-4 février a été lancée l'année Brisson, vous savez, à l'occasion du bicentenaire de la naissance du bienheureux Louis Brisson. Il a été lancé à Plancy, là où il habitait. Donc c'était une année jubilaire en l'honneur du bienheureux Louis Brisson. Et cette année jubilaire a été ouverte début février à l'occasion de la fête de la vie consacrée du diocèse. Pour mémoire, cette année jubilaire a été clôturée le 6 avril 2018 avec un grand son et lumière à la cathédrale. Autre événement important, c'est la mise en place de la cellule d'écoute pour les victimes de la pédophilie dans l'Église. C'est un peu douloureux, mais l'Église de France a voulu réagir au problème en demandant que soit mise en place dans tous les diocèses une cellule d'accueil qui reçoive ceux qui ont une plainte à formuler, indépendamment de ce que la justice a à faire. C'est simplement pour montrer que l'Église accueille, écoute, et qu'elle ne renvoie pas à d'autres. Et cette cellule a été mise en place avec le diocèse de Langres. Nous avons mis nos ressources en commun. Cette cellule fonctionne normalement, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de demandes de la part de victimes potentielles. Cette année 2017 ont été un peu particulières.
prière, parce qu'il y a chaque année, maintenant, vous savez, des conférences de calme à la cathédrale, elles ont été soucis de l'écuménisme. En 2017, c'était le 500e anniversaire de la réformation, c'est-à-dire de la réforme de Luther. Et donc nous avons fait ça, un programme en commun avec les protestants. Ça a été l'occasion de réfléchir à ce que la réforme de Luther a pu ouvrir comme réflexion dans l'Église catholique. Et ça a permis en même temps pour aujourd'hui d'enraciner notre fraternité. En juin 2017, c'était la fête diocésaine. Alors on a été original aussi pour la fête diocésaine. En 2017, le thème était une famille, des familles diocésaines en fête, mais la fête a été décentralisée, c'est-à-dire qu'au lieu que tout le monde vienne à Troyes, je ferais mieux de dire que pas tout le monde vienne à Troyes, enfin, c'est vrai. On a fait cette fête dans les différents secteurs, dans les différents espaces, à l'initiative des enfants paroissiaux et des secteurs. Ben, je crois que ça a été une bonne occasion de découvrir la richesse du texte de l'exhortation du pape François sur la question de la famille à Maurice Laetitia. Et on a pu découvrir la richesse de ce texte et les ouvertures qu'apportait ce texte à la question de la famille. Toujours en juin, le monastère des Clarisses de Troyes, vous savez que ce monastère existe et que c'est les Clarisses de l'adoration perpétuelle. Et ce monastère a été constitué comme sanctuaire eucharistique du diocèse de Troyes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce monastère qui avait la vocation de l'adoration, c'est la communauté des Clarisses qui assurait cette adoration, ouvre ses portes largement pour que d'autres puissent venir faire l'adoration eucharistique avec les sœurs. Et c'est en train de se mettre en place. Le 24 juin, on a fêté les 80 ans de l'ACE à Notre-Dame-en-Lille. L'ACE, c'est l'Action catholique des enfants. En juillet, je suis de nouveau allé en voyage, une fois de plus, et c'était à Mossoul. C'était très peu de jours, une semaine à peine, après la libération de Mossoul. Triste privilège d'aller là-bas peu de jours après la libération. On a vu beaucoup de ruines, on a vu beaucoup de détresse, mais en quoi ça concerne notre diocèse particulièrement? Bref, plus que vous ne le croyez, puisque je suis allé sur la tombe d'un ancien archevêque qui avait été tué, que j'avais rencontré en 2008 et qui avait été tué. Et dans l'église où il était enterré, on ne trouvait plus sa tombe, très bien d'ailleurs, j'ai déposé une petite statue de Notre-Dame du Chêne, ce qui crée un lien entre Mossoul et notre diocèse. Alors je ne sais pas si elle est encore cette petite statue, mais en tous les cas, c'était un moment assez émouvant et qui a été rapporté par un certain nombre d'organes de la presse chrétienne. L'été est caractérisé par de nombreuses propositions de camps pour les jeunes, mais c'est une des particularités de notre diocèse. Je pense qu'on en propose plus que dans beaucoup d'autres endroits. C'est une des richesses de la vie ecclésiale, c'est ce qui se passe avec les jeunes en été. Et pour notre plus grand bonheur, parce que ce travail de présence des communautés religieuses
octobre, il y a eu le pèlerinage diocésain à Fatima, en communion avec le frère portugais. Il y a tous les ans un pèlerinage à Fatima, ou tous les deux ans. C'est l'année 2017, c'était l'année du centenaire, avec des apparitions. Et donc, on a fait un effort pour être nombreux à aller à Fatima, encore une fois, en communion avec le frère portugais. En octobre, il y a eu aussi une fermeture de communauté. Je disais ça, que ça avait aussi. Hein. C'est le monastère Saint-Scolastique à Ménissin a été fermé parce qu'il ne restait plus que deux religieuses avec aucune possibilité d'augmentation de la communauté. Le droit canon dit que quand il y a dans une communauté, quand il n'y a que deux, c'est une communauté de contemplative. Quand il n'y a que deux religieuses dans une communauté contemplative, il n'y a plus de communauté. Même chose pour les hommes d'ailleurs. Le 21 du même mois d'octobre, on a célébré la rentrée diocésaine. Alors le thème, c'était 4 ans après le synode, que s'est-il passé? Quel chantier travaille? Ceux qui étaient à cette journée se rappellent peut-être le dynamisme de cette journée. Je veux dire en résumé, c'est très résumé ce que je veux dire. On a constaté à 4 ans après le synode qu'on avait mis un peu d'ordre dans nos structures et que cette mise en ordre dans nos structures a permis un foisonnement d'initiatives. Quand une maison est un peu rangée, après on peut faire beaucoup de choses. Voilà, c'est en résumé ce que je peux dire de ce que nous avons pu constater. Alors ce que je souhaite surtout, c'est que le foisonnement d'initiatives se poursuive, que ça ne s'arrête pas après ce constat. Et d'ailleurs c'est pour ça que la deuxième question c'était quel chantier travailler? On est en train, on est dans la cinquième année. L'esprit de Noël. Ça, on a distribué des crèches partout, là, dans les écoles, dans les paroisses. Cette distribution au catéchisme, cette distribution de crèches était liée des histoires de Noël. Quoi. C'était partager l'esprit de Noël. Et c'est une opération qui semble-t-il a plutôt bien marché. Toujours en décembre, c'est un moment créatif, on a mis en place l'IDTech. L'IDTech est une structure qui veut assurer une gestion commune des bâtiments qui sont à la disposition de l'école catholique, les bâtiments du diocèse qui sont à la disposition de l'école catholique. Alors, je distingue de ce qui appartient aux congrégations, parce qu'il y a des écoles congréganiste aussi, là il s'agit des écoles de la tutelle du diocèse. Janvier 2018, je suis reparti en voyage, ça fait la troisième fois déjà dans mon rapport moral. J'étais en Éthiopie à la rencontre de l'église orthodoxe éthiopienne. Vie
vivre l'espérance avec le soutien des saints et saintes chez nous. Je vous ai commenté davantage. Ensuite, il s'est arrivé le Pâques, la messe, très belle messe chrismale à Nogent-sur-Seine cette année, donc 2018. La marche de Pâques, comme chaque année, c'était dans le Bar-sur-Loire et elle s'est terminée par une très belle messe de clôture à Clairvaux. Dans l'abbaye, c'est. Et bon, il y a, comme d'habitude, dans les 500 participants, ça marche, ça reste à peu près stable, mais comme une caractéristique que ceux qui participent peuvent noter, c'est que ce n'est plus une marche des jeunes, simplement qu'au départ. On m'a dit que les jeunes aimaient moins marcher aujourd'hui. Enfin, je demande à voir, je sais pas. Mais c'est une marche intergénérationnelle. Les plus vieux ne sont pas les moins vaillants, ça je peux en témoigner. Enfin, en avril aussi, et je terminerai par là, comme événement, il y a eu le passage dans le diocèse des reliques de Sainte-Bernadette. Elle a circulé partout dans le diocèse, a rassemblé beaucoup de monde. Ça veut dire que, enfin, si vous relevez tout ce que j'ai dit et tout ce que je n'ai pas dit, ça fait quand même beaucoup d'initiatives, de beau dynamisme. Je tiens à souligner que c'est important. Alors juste encore les nouvelles des personnes, je terminerai par là. On a un certain nombre de prêtres qui sont partis, parce que vous savez qu'on reçoit d'ailleurs, donc il y en a qui partent aussi. Il y a d'abord eu le père Julien Bégaud des Fils de Marie Immaculée qui est parti en retraite. Il allait rejoindre leur maison de mère à Chavagne-Paillé. Ensuite, l'abbé Modesto Chino du diocèse d'El Alto en Bolivie et a pris un temps sabbatique. Il était curé de Vilnox. Donc on a eu pendant un moment Jacques Leclerc de la Mission de France, il est parti dans le diocèse de Lille. D'autre part, Serge Modeste Mignano, du diocèse de Corogo, en Côte d'Ivoire, est parti aux études à Paris. Le père Jacques Michel, fils de la Chapelle, donc ça c'est la Chapelle Saint-Luc, a rejoint la communauté d'ici du Moulineau pour raison de santé. Le père Yves Brier, de la même communauté, après prend un temps de repos. Et enfin, l'abbé Andrés Felipe Salazar du diocèse de Medellín en Colombie, qui était curé de Romy, est retourné dans son diocèse. Alors, lui était prêtre, le solde n'est pas positif, mais enfin, chacun de ceux qui viennent sont les bienvenus. D'abord, le père Daniel Boulier, fils de Marie Immaculée aussi, qui réside à Estissac et qui est curé de Ménissin, entre autres choses, il a fait d'autres choses aussi. Le père Bernard Clairaut, fils de la Charité, donc qui est venu renforcer l'équipe de la Chapelle Saint-Luc, et l'abbé Edmond Tougnon, du diocèse d'Atacpamé au Togo, qui est venu comme curé de Vilnius. Enfin, nous avons perdu trois prêtres depuis le 1er janvier 2017, le père Jacques Barré, qui est mort en septembre 2017, le père Lucien Mortier, qui est décédé en mars 2018, et le père Louis Garré, que nous avons enterré il n'y a pas bien longtemps, au mois de mai. Voilà ce que je voulais vous dire, en tout cas, je voudrais surtout, en votre nom à tous, et remercier tous les acteurs de cette belle vie que nous avons pu partager, et aujourd'hui observer et pour laquelle on pourra rendre grâce maintenant. Ça manifeste en tout cas que notre Église diocésaine est vivante, ce n'est pas des mots, ce qu'elle dit là, et puis surtout qu'elle a plus de ressources qu'on a.